La jeunesse des années 60, révolution et renouveau. J'étais jeune dans les années 60. Le monde changeait à toute vitesse. Les années 60 ont marqué une période de bouleversement et de changement profond à travers le monde. La jeunesse, au cœur de cette décennie effervescente, a joué un rôle crucial dans la redéfinition des normes sociales, culturelles et politiques. C'était le temps des yeah, et du rock and roll, du midi, choupi, chevelon. On dansait toute la nuit sans se soucier de rien, et on croyait que tout était possible. Mais qui étaient ces jeunes qui ont défié le statu quo et laissé une empreinte indélébile sur l'histoire? On manifestait dans les rues pour la paix et pour l'égalité. Une génération en quête de liberté. Le contexte historique. Les années 60 se situent dans un contexte post-Seconde Guerre mondiale où l'optimisme et la prospérité économique sont en plein essor. On se battait pour un monde meilleur et on était convaincu qu'on allait y arriver. C'était le temps des yeah yeah et du rock and roll, du midi, choupi, chevelon. On dansait toute la nuit sans se soucier de rien et on croyait que tout était possible. Les jeunes de cette époque, issus du baby boom, ont grandi avec des opportunités nouvelles et un désir ardent de liberté. On a bien changé depuis, et j'ai gardé dans mon cœur les souvenirs de cette époque. La révolution culturelle, la jeunesse des années 60, a été témoin et actrice de révolution culturelle majeure. C'était une époque formidable et je ne l'oublierai jamais. C'était le temps des yeah yeah et du rock and roll, du midi, choupi, chevelon. On dansait toute la nuit sans se soucier de rien et on croyait que tout était possible. Le rock and roll, la musique pop, avec des groupes emblématiques comme les Beatles et les Rolling Stones, et le mouvement hippie, ont tous contribué à créer une culture jeune, distincte et vibrante. Le monde a bien changé depuis, mais j'ai gardé dans mon cœur les souvenirs de cette époque. C'était une époque formidable et je ne l'oublierai jamais. C'était le temps des...